الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحن في الحديث المسلسل، يقول البيقوني: مسلسل قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنباني الفتى، كذاك قد حدثني قائما أو بعد أن حدثني تبسما. ما هو الحديث المسلسل؟ هو الحديث الذي جاء على صفة معينة، بحيث كل راو يرويه على تلك الصفة. قد يكون مسلسل بقول كل واحد منهما وأنا أحبك فقل، أو مسلسل بأن كل واحد لما روى الحديث وقف وقال حدثني قائما، ثم يقف ويحدث الحديث قائما، أو قد يكون بحال فعلي مع القول: شبك بيدي أبا القاسم، هذا بحال بالفعل، أو يكون بقبض لحيته ويقول آمنت بالقدر. فكل واحد يروي الحديث يقبض على لحيته ويقول آمنت بالقدر. Alors, al hadith musalsal, c'est le hadith qui est venu avec un certain attribut en plus, comme par exemple lorsqu'il rapporte, il dit il nous a rapporté tel hadith en étant debout. Alors lui, il se met debout et il rapporte le hadith. Ou il dit Abu Huraira, مثلاً, a dit le prophète Abu al-Qasim a fait croiser les doigts dans, ses doigts dans ma, avec ma, mes doigts et il m'a dit telle parole. Alors Abu Huraira il fait la même chose et celui qui vient après il fait la même chose. Alors c'est musalsal par le fait de faire courroiser les doigts. Ça peut être avec l'acte et la parole, comme le fait qu'il a terminé le fait de rapporter le hadith, et chaque personne qui a rapporté le hadith, il a mis sa main sur la barbe et il a dit je crois al-qadar, amantu bil-qadar. ومن المسلسل ما توارد فيه رواته على وصف سند بما يرجع إلى التحمل، إما في صيغ الأداء كقول كل من رواته سمعت فلانا. Alors ça peut être un مسلسل par le fait que chaque personne qui rapporte le hadith il a dit سمعت فلانا، j'ai entendu un tel، j'ai entendu un tel. أو مثلا كل واحد يقول حدثنا فلان، حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان، أخبرنا فلان. Ou le fait que chacun il dit haddathana, 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 ou il dit akhbarana, akhbarana. Fattahda kul mawq alahum fassara hadithu musalsalan. On dit le hadith, il est musalsal par le fait que chaque personne a rapporté le hadith, il a dit telle parole, haddathana ou akhbarana. بل جعل الحاكم منه أن تكون ألفاظ الأداء من جميع الرواة دالة على الاتصال، وإن اختلفت فقال بعضهم سمعت وبعضهم أخبرنا وبعضهم حدثنا، لكن الأكثر على اختصاصه بالتوارد في صيغة واحدة. Alors الحاكم صاحب المستدرك a dit que oui, même si tous ont dit les paroles qui indiquent qu'il a entendu, même si c'était par des paroles différentes, là il a dit سمعت. J'ai entendu. L'autre a dit haddathana, il nous a dit. L'autre nous a informé. Il a dit que c'est musalsal, mais la plupart, ils ne disent c'est pas comme ça, mais plutôt chacun, soit il dit haddathana, 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 l'autre il dit akhbarana, akhbarana, ou sami'tu fulan qal, sami'tu fulan qal, sami'tu fulan qal. لكن الأكثر على اختصاصي بالتوارد في صيغة واحدة. وإما فيما يتعلق بزمن الرواية كحديث ابن عباس شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد أو بمكانها. Alors, ou le fait de dire par exemple j'étais présent lorsque le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام était présent le jour de l'Eid. Et par la suite il rapporte le hadith et il dit j'étais avec lui le jour de l'Eid et il a rapporté. Et chacun il dit c'était un jour de Eid, de fête, et il nous a rapporté. Tu vois, c'est musalsal par rapport à un ton. Hein? أو بمكانها كالمسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم أو بتاريخها ككون الراوي آخر من يروي عن شيخه. Par exemple, où il dit, par exemple, il dit, on parle de le lieu comme on parle que le dua est exaucé
lorsque tu étais au multazam entre la pierre noire et la porte, ou le fait de dire ce hadith, c'est le où il était le dernier parmi ceux qui rapportent de son cheikh. Et l'autre, il dit, voilà, il était le dernier qui rapporte de son cheikh. L'autre, il dit, voilà, et j'étais, c'est le dernier personne qui rapporte de son cheikh. وأنواع المسلسل لا تنحصر كما قال ابن صلاح. يعني on dit مسلسل pour parler, on dit on a plusieurs sortes. الحاكم لما قال ثمانية أرادها هي أمثلة لم يرد حصرها. الحاكم il a dit on a huit sortes de مسلسل, il voulait pas dire les sortes mais plutôt il a donné des exemples. Il a donné des exemples et il n'a pas voulu cerner en huit sortes. إنما يكون ذكر من أنواعه ما يدل على الاتصال وإلى سيتي سيغتان سوغت كي دودون شاكا أنتوندو دو سون شيخ. قد يقع التسلسل في منظم الإسناد فقط كالمسلسل بالأولية فإن السلسلة تنتهي إلى سفيان بن عيينة. إلي له حديث لأندي مسلسل en disant, voilà, c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. C'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. C'est le premier hadith. Alors, ça va aller jusqu'au Soufiane. C'est pas jusqu'à après Soufiane, non. C'est jusqu'à Soufiane, on dit. Et c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui. واضح يعني انه كيف مسلسل انه هذا اول حديث سمعته من هذا الشيخ. C'est le premier hadith que j'ai entendu de lui avec la chaîne. Avec la chaîne de transmission. Avec la chaîne de transmission, c'est le premier. Et voilà, il dit, et l'autre, il dit, c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui, c'est le premier hadith, et on a cité ce hadith. قال في النخبة ابن عسقل ابن حجر ومن رواه مسلسلا إلى منتهى فقد وهم. C'est-à-dire, c'est lui qui a dit après Sofiane Mouyayna. Et c'est le premier hadith qu'il a entendu de lui. Non, ça, c'est, il s'est trompé. ونحو قوله قول شيخه العراقي وقد وقع لنا بإسناد متصل إلى آخره ولكن لا يصح إنما هو إلى سفيان نعيينة. C'est-à-dire, العراقي, il a dit, voilà, le hadith, on l'a eu avec une chaîne, juste avec تسلسل jusqu'à la fin. Et il a dit, ce n'est pas jusqu'à la fin, c'est jusqu'au Sufyan ibn Uyayna. Et c'est le premier hadith que j'ai entendu de lui avec la chaîne de transmission. Ça termine jusqu'à Sufyan ibn Uyayna. Donc, on a parmi Salaf deux grands Sufyan, Sufyan Thawri, Sufyan Uyayna. Et deux, c'est parmi les grands علماء لي غرون حفاظ اي لي غرون عابدين اثنيناتهم سفيان الثوري مثال العلم والزهد والورع وكذلك ابن عيينة لذلك شهيرا بالسفيانين سيتي دو غرون اوم. قال حافظ ابن حجر رحمه الله من اصح مسلسل يروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف. الوغ الى دي لو حديث كي فينو مسلسل est le plus juste de ce qu'on rapporte de parmi le hadith Moussalsal. Moussalsal, on a dit, celui qu'on l'a rappelé avec une certaine description en plus, il a dit, c'est le hadith qui parle de la lecture de Sourate al-Saf. Sourate al-Saf. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. Alors le hadith qui est مسلسل et qui est le plus juste, c'est ce hadith qui a été rapporté au sujet de la lecture de sourate الصف. الحديث الآن العزيز. Alors la définition, il y a dans le hadith, on dit عزيز. حديث عزيز. Tu dis حديث غريب, ça va venir. حديث عزيز. حديث مشهور. حديث مستفيض. حديث متواتر. Alors lorsque tu dis غريب, c'est un hadith qui a été rapporté par une personne. C'est-à-dire là, une personne qui a rapporté de tel, une personne qui a rapporté de tel. Tu ne trouves pas deux chaînes. Une seule chaîne de ce hadith. On dit gharib. Et la plupart des gharib est da'if. Aghlabul gharib da'if. Kif yani hadith wahad an rasulullah yarwi illa fulan. Un hadith rapporté du prophète qu'un seul chaîne. Fa al-ghalib ala al-gharib al-da'if.
La plupart des hadiths qu'on dit gharib est faible. لما تقول عزيز عزيز مروي اثنين أو ثلاثة العزيز له إسنادان أو ثلاثة دي حديث كلا été rapporté par deux chaînes trois chaînes. لما تقول مشهور صار ثلاثة وأربعة وخمسة هذا مشهور ومستفيد مثلا له أربعة خمسة ستة إسانيد دي مستفيد ومتواتر مثلا له عشرين إسناد يعني روي عن أكثر من عشرين صحابي أو أربعين أو ثلاثين عندي متواتر lorsqu'il a été rapporté il y a 30 compagnons 20 compagnons 40 compagnons qui ont rapporté par la suite parmi التابعين il y a 200 300 puis après tu trouves plus alors on dit متواتر et مشهور lorsqu'on dit 3 ou 4 ou 5 qui ont rapporté le hadith lorsque tu dis aziz c'est 2 ou 3 c'est ce qu'on va définir maintenant aziz مروي اثنين أو ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة عزيز مروي اثنين أو ثلاثة ولو من طبقة واحدة c'est-à-dire du même époque il y a deux personnes par exemple qui ont rapporté أو يعني de même génération ou deux mais il y a deux chaînes de transmission il y a deux personnes qui ont rapporté ce hadith وأفاد بهذا أن حده ألا يرويه أقل من اثنين. Il voulait dire que si c'est moins que deux, alors n'est pas aziz. C'est gharib. Lorsqu'il y a deux ou plus, c'est là où on dit aziz. فيخرج للغريب. الغريب n'est pas inclus avec l'aziz parce que الغريب مروي عن واحد. الغريب rapporté d'une seule personne. سمي العزيز لقلة وجوده من عز يعز بكسر عين مضارع. Certains on dit aziz parce que oui parce que c'est pas son existence est mieux que, moins que d'autres alors on l'a nommé Aziz on dit Aziz plutôt parce qu'il a été rapporté par une autre chaîne il y a une autre chemin et ça renforce et de là vient le mot Azza ya'azzu Aziz Azza ya'azzu Aziz alors ça donne force ça fortifie ça donne ça appuie c'est un appui ka qawlihi ta'ala fa'azzazna bi thalith lorsque il a parlé qu'il a envoyé il y avait deux parmi les élèves de Jésus qui ont été puis après il y avait un troisième fa'azzazna bi thalith le troisième était pour soutenir les deux وقد ادعى ابن حبان أن رواية ادعى ابن حبان أن رواية اثنين عن اثنين لا توجد أصلا قال في شرح النخبة إن أراد أن رواية اثنين فقط عن اثنين فقط لا توجد أصلا فمسلم أنه اثنين فقط عن اثنين فقط عن اثنين فقط أي مسلم لأنه عادة اثنين بعدين بصيروا ثلاثة بعدين بصيروا ستة بعدين بصيروا ولكن عزيز من أوله alors قال أما هو صورة العزيز هذا صورة العزيز ألا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين عن أقل من اثنين هذا عزيز ابن حبان a dit que deux personnes qui ont rapporté de deux qui ont rapporté de deux qui ont rapporté de deux seulement ça n'existe pas alors c'est ce qu'il a dit ابن حبان الحاكم إلى أو ابن حجر العسقلاني a dit s'il voulait dire que deux seulement qui ont rapporté de deux qui ont rapporté de deux ça n'existe pas ok on est d'accord mais À la base, c'est la définition. La définition d'un hadith ou aziz, c'est que il n'est pas rapporté par moins que deux. Deux ou plus. Dans chaque rang, dans chaque génération, il y a deux ou plus. C'est ce qu'on dit aziz. Alhamdulillah. Yahdikum Allah wa yuslih balakum. وأما صورة العزيز التي جوزها فموجودة بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين c'est ce qu'on a dit le minimum dans le hadith al-aziz qu'il soit rapporté par deux au minimum par la suite qui ont rapporté ça de deux au minimum qui ont rapporté ça de deux au minimum jusqu'à la fin مثاله ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة alors on donne l'exemple Hadith qui est apporté par Bukhari et Muslim de Abi Huraira. Tu vois, le Bukhari et Muslim l'ont rapporté de Anas et Abu Huraira, le Bukhari a rapporté de Abu Huraira. Alors on a deux compagnons, il y a Anas et Abu Huraira. Il y a deux compagnons qui ont rapporté cette parole. Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam قال
لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين الحديث. Alors tu vois au début, البخاري ومسلم ont rapporté de Anas, et le Bukhari l'a rapporté de Abi Huraira. Alors on commence par deux compagnons. C'est quoi le hadith? L'un de vous ne croira parfaitement jusqu'il m'aime plus que son fils, plus que son père, plus que tous les gens. ورواه أنس عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب. Maintenant, qui a rapporté ce hadith après les compagnons? On a قتادة et عبد العزيز ont rapporté de أنس. Deux تابعين قتادة et عبد العزيز fils de صهيب ont rapporté le hadith de أنس. ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. Après قتادة, il y a deux qui ont rapporté de قتادة. ورواه عن عبد العزيز ابن صهيب اسماعيل بن علي وعبد الوارث. اي بور عبد العزيز لو دوزيام تابعي يا دو بيرسون كي اون رابورتي دو لوي اوسي. ورواه عن كل جماعه اي بار لا سويت دو شعبه اي دو سعيد اي دو عبد العزيز عبد الوارث بوكو دي جون كي اون رابورتي. مي اون ا كومونسي بار دو اون ا كومونسي بار دو اون دي حديث عزيز. وليس العزيز شرطا للصحيح خلافا للجبائي المعتزلي وإليه يومئ كلام الحاكم. ليس العزيز شرطا للصحيح يعني c'est pas une condition pour que le hadith soit considéré صحيح qu'il faut avoir deux qui ont rapporté le hadith. Ça peut être rapporté d'un seul compagnon, d'un seul tabi'i, d'un seul élève d'un tabi'i, et par la suite, et on dit hadith sahih. Ce n'est pas une condition pour qu'il soit jugé sahih qu'il faut avoir deux. Si. Non. Ce n'est pas une condition, l'aziz. Après, on a dit le Jubba'i a contredit, et il a dit le Jubba'i que, oui, non, comme il a dit, il faut avoir deux. Et le hakim, on dirait que c'est comme il disait le hakim, c'est comme ça donne une indication que c'est une condition. وصرح ابن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري. بس ما صحيح. ما صحيح. ابن العربي a dit que voilà, le Bukhari a mis ça comme condition qu'il faut avoir deux. Mais c'est pas juste. ما صحيح. هذا ابن العربي a dit que oui, le Bukhari, il met ça comme condition. Alors, ajaba amma warada alayhi min dhalika wa jawabin fihi nazar, li'annahu qal, in qila, fa in qila hadith al-a'mal bin niyat fardun lam yarwi an Umar, illa alqama qulna qad khataba bihi Umar ala minbar bahadarat as-sahaba, falawla annahum ya'rifuna la'ankaru. Alors, si quelqu'un il a dit, mais comment tu dis que le Bukhari a mis ça comme condition pour que le hadith soit juste, il faut avoir deux? Et il a mis le premier hadith dans Sahih al-Bukhari et Gharib, au début Gharib, c'est Omar qui l'a rapporté, c'est pas un deuxième compagnon, c'est lui qui a rapporté que le Rasoul a dit l'a'mal ou niyat. Et après Omar, il y a un autre encore après. Mais, alors il dit Ibn Arabi, oui, mais Omar a dit ça sur le minbar et personne n'a reproché, personne n'a dit quelque chose, ça veut dire les compagnons connaissent. Mais c'est quoi cette manière de parler? Parce que si Omar a dit quelque chose et eux ils n'ont pas entendu, ils vont dire ah non, comment, d'où tu as amené, nous on n'a pas entendu, tu as entendu. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle entre les sahaba? C'est possible qu'il a entendu et nous on n'a pas entendu. D'où on dit ça? S'ils ne l'ont pas connu, il allait nier. Parce que si toi tu n'as pas entendu, même 200, 300 ils n'ont pas entendu. Et Omar a entendu, ça veut dire que Omar est fautif, il a inventé. Non. Abu Bakr a dit un hadith Nahnu ma'ashir al-anbiya la nuwarith ma tarakna wa sadaqa. Il a rapporté que nous les prophètes on laisse nos biens, c'est pas un héritage, c'est une aumône. Bref. وتعقب بأنه لا يلزم من سكوتهم عنه أنهم سمعوه من غيره. Il a dit, ils ont dit ici les compagnons et se sont tus, ils n'ont rien dit, ça ne veut pas dire qu'ils ont entendu ce hadith de quelqu'un d'autre. Non. Alors, et supposons que oui, ok, Omar a dit ça, il n'y a que lui. Mais après Omar,
quelqu'un qui s'appelle Alqama. Alqama a rapporté ça de Omar. ثم تفرد محمد بن إبراهيم عن علقمة. Après علقمة, c'est محمد بن إبراهيم. Il était encore seul. Qui a rapporté ça? محمد fils de إبراهيم, il était seul. Qui a rapporté de علقمة? علقمة, il a rapporté seul cette parole de عمر. ثم تفرد به يحيى بن سعيد عن محمد. Encore يحيى بن سعيد l'a rapporté seul de محمد fils de إبراهيم. على ما هو معروف. C'est ce qui est connu chez les محدثين. وقد وردت له متابعات لا يغتر بها. Maintenant, il y a certains qui ont dit oui, mais il a rapporté avec d'autres chaînes, mais il a dit c'est d'autres chaînes, c'est pas des chaînes qui sont justes. وكذا لا يسلم جوابه في غير حديث عمر. يعني il a dit mais même en dehors de حديث عمر encore, il y a d'autres hadiths qui sont dans le Bukhari et que c'est غريب. قال ابن رشيد لقد كان يكفي القاضي في بطلان ما ادعى انه شرط البخاري اول حديث مذكور فيه. القاضي من العربي الذي قال البخاري ادي كو بور كو لو حديث صحيح il faut qu'il soit rapporté par deux. Alors il a dit ابن رشيد alors ça suffit pour répondre contre le juge ابن عربي le premier hadith dans le Bukhari parce qu'il n'y avait pas deux au début. عمر après علقمة après محمد إبراهيم بن إبراهيم après يحيى بن سعيد chacun tout seul. Alors le début de le hadith الأعمال بالنيات au début c'est غريب. Après il était connu après يحيى بن سعيد il est très connu mais le début de ce hadith c'est rapporté d'une personne de عمر رضي الله عنه. وبهذا نتم الحديث اليوم. Je vais voir, est-ce qu'on a terminé? Oui. Alors on arrête jusque-là. Comme ça, vous avez terminé hadith al-musalsal wal-hadith al-aziz. Mais comme je vous ai dit après qu'on va parler de l'hadith al-mashhour wal-hadith al-mustafid wal-mashhour ma rawahu thalatha fama fawq. On dit hadith mashhour rapporté, il y a trois qui ont rapporté et plus. Mustafid, comme tu dis, quatre ou cinq. Puis après, plus grand, tu parles de Al-Mutawatir. Ou Al-Mutawatir, yufidu l'ilm al-qat'i. On dit hadith mutawatir, rapporté par un grand nombre, ça donne une connaissance sûre. Amma illam yakum mutawatiran, fa takoun as-sahhatu maznouna. Les paroles rapportées du prophète, alayhi salatu wassalam, par gharib ou... وعزيز ومشهور on dit oui on dit c'est صحيح si ces gens dignes de confiance qui ont rapporté mais c'est pas d'une manière catégorique parce que celui qui est véridique il peut se tromper celui qui a une bonne mémoire il peut oublier il peut se tromper mais le mutawatir ça nous donne une connaissance sûre on peut pas mettre en doute une nouvelle qui a été rapportée par un grand nombre même si ce grand nombre lorsque tu parles d'un événement صلاح الدين a conquéri Jérusalem, Mohammed al-Fatih a eu telle chose a eu lieu, et un grand nombre, dont le nombre là, c'est pas une condition qu'ils soient des musulmans ou qu'ils soient des gens pieux. Ça, même c'est des non-musulmans, même des gens qui sont pas pieux, qui rapportent une nouvelle, un grand nombre, ça donne une connaissance sûre. Wallahu subhanahu wa ta'ala.